on s'est jamais fait. Parce que je trouve que c'est mieux la fin. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis. Ouais, je pour oui, qu'il puisse exact, exact. D'accord. Alors, mais on touche pas au montage, mais on peut changer, on peut faire de la colorimétrie cet après-midi. Absolument. Oui. Alors, moi, je suis réalisatrice, hein, mais cette année, comme je reviens vivre à Montréal, je voulais être technicienne sur différents projets pour pouvoir travailler avec des personnes. Reprendre contact avec Montréal, voir comment les gens Kino que j'ai quittés il y a 4 ans travaillaient. Et je regrette parce que j'ai envie de faire un film maintenant, bah, c'est sûr. Hein, bah, voilà, mais c'est un bon choix, je suis contente de travailler pour les autres. Bah, mon montage, ça s'est bien passé. On était deux d'abord, hein, je n'étais pas toute seule sur le coup. On a fini à 2h du matin, je suis revenue à 9h et là il est midi. On est plus ou moins satisfaite, on est contente. Il y a l'étalonnage à faire pour cet après-midi. Et voilà. J'ai vu passer plusieurs espaces et franchement ici c'est ce que je disais hier à un des organisateurs, c'est que pour moi c'est le meilleur en fait. Parce que d'abord c'est très propre, il y a tout. Il y a l'espace de travail, l'espace de repos, la cuisine, c'est très bien situé, c'est très accessible. Donc c'est vraiment, c'est parfait je trouve pour ce genre d'événement. Ouais, ouais, j'ai remarqué mon film. Tu es content d'avoir remis? Oui, oui, je suis pas content du résultat, mais je suis content de l'avoir remis. Mais encore là, je vais peut-être travailler encore un peu dessus après-midi. Là, je vais travailler un peu les effets spéciaux, parce que c'est un film que d'effets spéciaux. Moi qui étais censé faire un drame sérieux, calme, avec des bons acteurs, ben là, il va falloir se contenter que de moi et de Nicolas ici. Nicolas Bernier, mon assistant et caméraman. Un conseil pour toutes les kinoïtes qui viennent participer à leur premier cabaret, là, ben ça sert à rien d'être préparé là, un mois d'avance ou 3 semaines d'avance. C'est pas que c'était mon cas, mais j'avais un peu mes acteurs, j'avais mon DOP, j'avais mon lieu de tournage, j'avais un peu vers quoi je m'en allais, tu sais. Mais là, j'ai écrit mon scénario dans le 3 jours de rush, puis j'étais arrivé à ma journée de tournage, il a mouillé toute la journée, on n'a même pas pu shooter. Fait que là, ben j'ai fait d'autres choses.